Comment apprendre à votre enfant à faire du vélo sans roulette? C'est ce que je partage avec vous dans cette émission Parents et enfants zen. Mais juste avant, vous êtes libre de télécharger mon livre Parents et enfants zen en cliquant ici sur l'image ici pour si vous êtes sur mobile ou sur la fiche de description si vous êtes sur PC ou bien sur le lien qui s'affiche juste là. Pour pouvoir télécharger, ça mettra la vidéo en pause, vous pourrez télécharger ce livre gratuitement pour être un parent plus zen et avoir des enfants heureux. Alors, quelles sont les trois étapes pour apprendre à votre enfant à faire plus facilement du vélo sans roulette? Alors, d'abord, il faut rappeler que évidemment, faire du vélo, ça va vite et évidemment, il vaut mieux mettre un casque dès le début. Au début, votre enfant va forcément tomber, risque de se rafler le visage. Et puis, au-delà de ça, je pense que c'est aussi une question d'habitude parce que il y a beaucoup d'adultes qui ne mettent pas de leur casque une fois adulte et malheureusement il arrive que les lésions soient irréversibles et que voilà, il est préférable de prendre cette bonne habitude. Pour revenir aux trois étapes pour apprendre à plus facilement faire du vélo, je dirais que la première étape c'est d'apprendre à se diriger. Se diriger parce que l'enfant déjà ne va avoir aucune notion de se diriger, de savoir orienter son guidon. Donc pour cela, la première étape, se diriger, c'est-à-dire être capable d'orienter le guidon dans la bonne direction pour se diriger. Alors évidemment au début l'enfant qui aura 2 ans, 2-3 ans, va avoir besoin de l'aide de l'adulte pour se déplacer. Par exemple sur un tricycle avec, vous savez, les cannes qui permettent de faire avancer l'enfant. Et donc il va y avoir un long moment pendant lequel le parent va pousser son enfant et l'enfant va progressivement, par essai-erreur, par tâtonnement, se diriger dans la direction souhaitée. Et si vous voulez apprendre assez tôt à votre enfant à se diriger, à vélo ou à tricycle plutôt, au début votre enfant aura même du mal à tout simplement se déplacer avec vous. Et lorsque j'ai commencé avec mon fils, il avait 2 ans, et également avec ma fille, j'ai même été obligé d'installer une petite cordelette pour diriger mon fils et ma fille pour qu'ils puissent s'orienter dans la bonne direction. Alors évidemment, au départ, c'est sûr que l'enfant est télécommandé, téléguidé pour être plus exact, avec donc le fil que j'ai créé pour les aider. Mais à force de tourner à gauche ou à droite et d'avoir les mains posées sur le guidon, ça va créer des connexions avec son cerveau et l'enfant va associer le fait de tourner dans un sens le guidon, va l'associer avec une direction. Donc voilà, donc la première étape, c'est de diriger le vélo avec l'enfant. La deuxième étape, ça va être de découvrir la propulsion. Alors il y a pour cela des tricycles qui sont intéressants. Je trouve que lorsqu'il y a les roues qui sont à l'avant du tricycle, cela permet à l'enfant de se déplacer en avançant, en s'aidant de ses pieds, en contact direct avec le sol. Donc ça, c'est un geste qui est naturel et qui va permettre à l'enfant de rapidement se déplacer de façon autonome. Donc ça sera le deuxième point, c'est une fois qu'il aura acquis la capacité à se diriger. On va pas demander à l'enfant d'avancer tout seul alors qu'il ne sait pas se diriger. La deuxième phase, ça va être d'être capable de se déplacer et de se diriger, mais sans roulette. Alors sans roulette, ça veut dire qu'on va passer du tricycle à la draisienne. Donc ça veut dire qu'on va passer d'une stabilité relative qui est procurée par le triple appui du tricycle. Et là, on va passer simplement à 2 appuis, donc la roue avant, la roue arrière, et puis des appuis alternatifs du pied droit vers le pied gauche. Donc là, l'enfant va apprendre à marcher en étant assis sur la draisienne. Donc moi, pour minimiser les frais, j'ai directement acheté à mon enfant, à mes 2 enfants qui étaient assez grands, un vélo de la marque Decathlon, tout simplement, sur lesquels il y avait les roulettes qui étaient livrées. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement démonté le pédalier. Avec l'outil là que je fais afficher ici, je ne sais plus exactement le nom, peu importe, qui permet de retirer les pédales,
ça doit coûter quelque chose comme 2 ou 3 euros. Et donc, Noé et Thelma, qui sont mes enfants, ont appris entre 2 et 3 ans à se déplacer uniquement avec une draisienne, donc le vélo de base, là, qui était transformé en draisienne, en ayant retiré les pédales, qui évidemment gênent les mouvements des pieds, et puis c'est dangereux, ils peuvent se cogner les pieds avec les pédales. Ce qui est important, c'est d'ajuster la selle à la hauteur du bassin de l'enfant, de telle façon que lorsque l'enfant est debout dessus, assis, il ait les pieds bien posés au sol parce que votre enfant va avoir de nombreuses phases d'arrêt pour pouvoir réfléchir à sa direction, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir se stabiliser. Voilà. La troisième phase pour apprendre à faire du vélo sans roulette, ça va être de remettre les pédales, mais il va y avoir une petite phase de régression pendant laquelle l'enfant va devoir apprendre à poser les pieds sur les pédales et du coup il va perdre en stabilité. Donc c'est pour cela que j'ai acheté pour mon fils qui a appris à faire du vélo sans roulette à 3 ans et demi. Il a appris très rapidement à en faire, hein, à 3 ans et demi, il savait en faire tout seul. J'ai acheté ce qu'on appelle une training bar. C'est le nom du produit de chez Decathlon, une barre qui est fixée à l'arrière du vélo, comme vous pouvez voir ici, et qui permet de procurer une stabilité à l'enfant, qui va apprendre à quitter l'appui terrien, donc à arrêter d'appuyer ses pieds sur le sol pour utiliser l'appui sur ses pédales. Chose qu'il aura déjà fait de toute façon, soit à l'école, soit avec vous sur son tricycle. Donc c'est quelque chose qui se perd, le fait de faire la rotation des pieds. Au début, vous l'assistez quand vous le poussez, il a les pieds sur les pédales, et puis après, il sait pédaler tout seul. Donc là, avec la barre d'équilibration, vous allez assister votre enfant qui sait déjà pédaler, qui sait déjà s'orienter, et qui est déjà capable de s'équilibrer puisqu'il était capable d'utiliser la draisienne. Donc là, la barre d'entraînement, d'équilibration, elle est là pour rassurer votre enfant. Et puis, à un bon moment, à force d'entraînement, à chaque fois, moi, pour mes enfants, ça a duré pour le premier une semaine, pour la deuxième, ça a duré 15 jours simplement. Et bien, au bout d'un moment, vous la lâchez. Alors, vous vous écartez pas trop surtout, vous courez à côté d'elle et vous lui dites, tu vois, tu fais toute seule. Alors là, généralement, il y a un petit moment d'inquiétude, mais vous la rattrapez et vous lui dites, ne t'inquiète pas, je t'ai rattrapé, mais t'as vu, tu sais faire toute seule, ou tu sais faire tout seul. Voilà, alors là, c'est vraiment un moment de joie, aussi bien pour vous, parce que vous êtes fiers que votre enfant ait fait ce nouvel apprentissage, et puis aussi pour votre enfant. Donc, alors, à l'utilisation de la barre d'entraînement, vous allez voir qu'au début, ce qui va être difficile pour votre enfant, ça va être de préparer sa pédale. Donc justement, il faut utiliser ce vocabulaire-là. Voilà, pose un pied sur le sol, prépare ta pédale, choisis toujours le même pied. Voilà. Donc tu peux place ton pied sous la pédale pour préparer ta pédale. Au début, vous faites avec lui. Vous êtes obligé de vous baisser, vous lui montrer en tenant son pied comment il doit faire pour placer sa pédale dessous, pour placer son pied sous la pédale pour pouvoir le positionner légèrement en avant du point le plus haut. Et puis, vous le poussez avec la barre d'entraînement, ce qui lui donne déjà une première facilité pour se lancer. Et puis, petit à petit, l'enfant va réussir à démarrer tout seul. Donc, une fois que votre enfant arrivera bien à démarrer avec votre aide, poussé par vous, votre action sur la training bar, et arrivera à prendre son envol, il restera à votre enfant à être capable de démarrer tout seul. Donc ça, c'est une phase assez longue puisque la phase de démarrage pendant laquelle votre enfant place son pied sur la pédale et est tenté forcément de baisser le regard vers le sol, du coup ne regarde pas vers l'avant et est déséquilibré. Du coup, comme votre enfant va être déséquilibré par le fait de devoir préparer sa pédale, une bonne solution pour prendre une autonomie rapide, ça va être de lui proposer de courir de part et d'autre de son pédalier, comme lorsqu'il faisait quand il utilisait son vélo en tant que draisienne. De cette façon, il ne va pas avoir cette phase un peu délicate de prise d'appui sur la pédale et de déséquilibre. Et du coup, il va prendre confiance dans son démarrage, il va être capable d'être autonome. Et c'est à cette phase-là, dès que votre enfant est capable de démarrer tout seul, que vous allez pouvoir retirer la barre d'entraînement. Voilà, donc votre enfant va courir en ayant les pédale de part et d'autre, là il faut que votre enfant soit bien prévenu qu'il peut avoir un retour de pédale, du coup il
faut bien l'obliger à porter de bonnes chaussures, de façon à ce qu'il ne se blesse pas, parce que s'il se cogne les pieds avec un retour de pédale, ce sera assez douloureux. Et votre enfant, en courant, va pouvoir poser les pieds sur les pédales une fois qu'il aura pris son impulsion et qu'il sera dans la poursuite de sa glisse. Et puis, enfin, la dernière étape, c'est qu'une fois que votre enfant sera certain qu'il pourra faire son démarrage en autonomie, être équilibré, eh bien, la dernière phase, ce sera de préparer sa pédale sans regarder ses pieds, de regarder vers l'horizon, de préparer sa pédale sans regarder ses pieds, et puis de lancer son démarrage. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair pour comment faire apprendre à votre enfant à apprendre à faire du vélo sans roulette plus rapidement. Vous aurez un immense sentiment de bonheur quand votre enfant saura le faire. C'est ce que j'ai vécu pour mes enfants Noé et Thelma. Et comme d'habitude, vous êtes libre de télécharger mon guide en cliquant sur la couverture ici, parents et enfants zen. Et puis aussi, j'ai besoin de votre retour pour savoir si cette vidéo vous a plu, si vous avez des conseils vous-même à apporter en ce qui concerne cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous demande s'il vous plaît de cliquer sur j'aime et éventuellement de partager cette vidéo. Et puis si elle ne vous a pas plu, de cliquer sur je n'aime pas. Je vous dis à bientôt et dans une autre vidéo. Soyez un parent zen et heureux avec vos enfants.